Salut à tous, c'est sur Magic Arena Comment ça va, Fou Ça va très bien, toi Ça va très, très bien. On se retrouve aujourd'hui pour, comme promis, de l'Explorer, qui est quasiment du pionnier à ce stade. On... on a encore besoin de quelques cartes pour que l'Explorer devienne le pionnier. Pour ceux qui ne savent toujours pas, l'Explorer, voilà, c'est un format temporaire qui disparaîtra une fois que tout le pionnier sera légal sur Arena. Euh, puisque, en fait, ça n'a ne... ça de but que de devenir le pionnier à terme, petit à petit, avec les cartes qui se rajoutent, avec les différentes extensions. L'Explorer Anthologie 2, notamment récente, qui a beaucoup aidé. Euh, et qui a aidé ce monogreen avec Nyctos, reliquaire de Nyx, qui était la carte la plus importante du deck, que nous n'avions pas euh, pour jouer ça. Il y, y a des gens qui jouaient quand même mono vert, mais bon, pas... ça fait pas ce que ça fait. quoi. Ouais, c'était beaucoup moins puissant que Nyctos, qui donne énormément d'explosivité au deck, mmh. voire de l'inévitabilité euh, couplée avec Karn. Et c'est euh, un des meilleurs decks du format pionnière. Si ce n'est le meilleur deck, c'est au moins le deck le plus joué, le plus représenté. Mmh. Et vous allez voir que si vous jouez en ladder en Explorer, le deck est très populaire, vous allez beaucoup le rencontrer. C'est pour ça qu'on va vous décrypter un petit peu comment ça fonctionne et vous présenter ce deck-là euh, aujourd'hui. Avant toute chose, vous pouvez nous soutenir euh, en mettant un like, en anticipant la confiance sur cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez aussi dérouler la description pour nous soutenir et euh, nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Et puis on va envoyer un gros big up du coup à, à PL. Qui est notre yes. sponsor. Merci beaucoup à Playing by Magic Bazaar. Code ValPL 2022 sur leur boutique. Ça donne toujours 50% de points de fidélité et ça nous soutient. Attention, plus que quelques jours pour l'utiliser. Si on ne l'avez toujours pas fait, ensuite ce sera un autre code. Merci à tous et merci également à Vox de Val. Ouais, merci à Vox de, de soutenir aussi cette chaîne. Euh, C'est une application d'enchère en live sur laquelle on fait des lives deux fois par mois. Vous pouvez nous soutenir en créant votre compte avec le code parrainage ValPL. C'est totalement gratuit. C'est une application qui est directement sur votre mobile. Les liens sont dans la description. Et puis si jamais vous voulez participer au show à chaque fois, eh bien c'est deux fois par mois, généralement le mardi, toutes les informations sont en description, voire notre page vendeur même si vous voulez la, la follow et la liker, ça nous soutient bien évidemment. Exact, merci à tous. Alors ce monogreen, quel est le but du deck euh, Du coup c'est monogreen dévotion, on va faire plein de dévotions avec plein de mana coloré, vert, troll primaire notamment, cavalier d'épines, les elfes et les haves de sol loup qui aident aussi Ensuite, on active ouais. Nyktos qui va faire un maximum de mana vert en fonction de notre dévotion. On a qui pour tricher du coup et dégager Nyktos. Avec le mana qu'il a généré, on s'en sert pour le réactiver lui-même et doubler du coup le mana qu'on a généré. Et avec tout ce mana, on va essayer de caster des trucs euh, très costauds euh, à l'assaut du, du festival, que ce soit dans le cimetière ou dans la main. Euh, Karl, le grand créateur, du coup, qui va euh, utiliser son moins 2 pour aller chercher les Arthos qu'on a en exil ou dans le side. Et du coup, parmi ces Arthos, il y en a qui coûtent euh, très cher. Ah, oh, il est un peu caché le portail de Phyrexia. Il est du caché, coup, ouais. Du coup, on pourra caster avec tout le mana généré. Euh, typiquement, suivant le deck, bah, vous allez chercher Portail pour faire une Vrasse, ça tue Dieu Pharaon, ça embête bien les decks style Phoenix, même si en Explorer, il n'y aura pas vraiment Phoenix. Euh, Lisseur de Métropole, qui est une nouvelle carte qui marche très bien dans le deck, puisqu'on n'a pas besoin qu'elle résolve, elle va for forcément casser un permanent long terrain quand on la casse, et si elle reste en jeu, bah, elle va le faire tous les tours, et du coup, très rapidement, tuer l'adversaire et casser son plan de jeu. Donc, euh, voilà la base du deck. Euh, à côté de ça, du coup, on a de la rampe avec les elfes A1. Euh, aussi, qu'on a récupéré il n'y a pas si longtemps, le Mystic elf. Ça fait plaisir hein, pour, ouais. pour, pour ce deck-là. Havre de sol Loup qui va euh, nous permettre de ramper, faire de la dévotion. Et quand on détape Kiora, avec Kiora pendant le land engagé avec Havre de sol Loup, bah, on fait plus de mana. Donc, c'est cool. Troll primaire qui est là pour faire de la dévotion, qui peut aussi beat down. Hein. Il y a des decks juste, euh, ils répondent mal à une 4-4 piétinement. On attaque. Ça, Et on ça attaque, tu. exactement. Sachez que ça fait de la dévotion aussi quand c'est un enchantement. Ça garde son CCM de 3. Euh, Bête Frappée d'Amour qui est là en fait pour répondre à un manque du deck euh, qui est euh, j'ai oublié Val, -ce que le serment de nissa serment de nissa exactement, qui est aussi une carte assez importante du deck, qui change un peu même le, la, la decklist parce que ça permet de jouer des Planeswalker of color pour les caster on l'a pas encore sur Magic Arena mais on l'aura bientôt je pense pour pouvoir avoir le deck complet, donc on remplace par Bête Frappée d'Amour qui est pas mal aussi, hein. il y a même des versions de Monogreen euh, qui euh, qui en joue peut-être en pas en x4, mais j'en ai affronté déjà, donc en euh, pionnière, donc pourquoi pas. Ouais. Alors Car les euh... dernières versions sont quand même très très stock. Euh, pour le coup, dans les versions très optimisées, on n'a pas de bête frappée d'amour, mais c'est vrai que nous n'ayant pas euh, les mmh. serments de Nissa, ça fera très bien l'affaire, hein, pour le coup. Okay. Car le grand créateur, on en a déjà parlé. Voilà, but principal, c'est de euh, casser les artefacts en face, enfin d'empêcher de les activer et d'aller chercher ce, qui nous, ce dont on a besoin de nous. Deux souverains euh, des cieux navires, quatre cavaliers d'épines, quatre assauts du festival pour le late game. Et ça régale. Et on a même ouais. le loisir d'avoir deux repères de lead deux beaux éjoues. C'est ça. ça. En euh, je précise quelque, quelque chose sur le deck. Les gens pensent à tort que euh, ce deck-là ne side jamais. Et euh, j'ai deux, trois insights un petit peu sur ça. Euh, C'est pas tout à fait vrai. Alors effectivement, votre side est une toolbox pour Karn. Mais il y a quand même des cartes qui vont avoir un intérêt à être directement mendéquées. Notamment pour leur, leur timing. Je pense à la bombe à rocher contre un deck aggro. Contre un deck aggro, ça n'aura probablement pas de sens de passer par Karn pour aller chercher votre bombe à rocher. Si vous avez envie d'avoir une bombe à rocher contre le deck aggro en face, eh ben autant rentrer la bombe à rocher directement dans votre deck. Sachant que si jamais vous passez par Karn, vous pourrez aller chercher des choses qui sont probablement déjà plus puissantes parce que vous serez déjà assez avancé dans la partie. Donc Notamment, Simon Nielsen en parlait lors du LEC à Sofia. Les gens pensent à tort qu'on side jamais. Moi, je side à toutes les games, il disait. Donc vous pouvez quand même essayer d'estimer un petit peu. À quel moment vous pouvez sider contre un deck combo très rapide qui passe par le cimetière C'est pas déconnant de mettre votre Cryptor Mode directement dans le main deck si jamais vous savez qu'au moment où Karn va arriver, ce sera déjà trop tard. Voilà, c'est mmh. à vous d'anticiper et de vous perfectionner euh, sur, euh, sur ce plan-là. Ça va bah, notamment tout ce qu'on doit caster le tour suivant. Euh, ça peut être encore plus intéressant parce que euh, quand on joue Karn pour aller chercher ensuite, il faut passer un tour pour le caster. Euh, et là où c'est vrai que Crypt on peut la jouer tout de suite au moins. Mais euh, ouais tout le c'est reste... pas le meilleur exemple pour crypt c'est vraiment si vous avez des decks turbo mais combo marche, T2 T3 mais c'est voilà dans l'idée attention ouais. au timing et à la tempo de, de vos cartes dans le side elles n'ont pas tout intérêt à rester spécifiquement dans le side hmm. il y a un plan un petit peu combo du deck alors qu'on n'a pas parce qu'il manque un artefact pour avoir la vraie combo euh, ça se joue avec chain veil normalement mais nous on peut quand même un peu s'en servir avec explosion restauratrice on casse pas chaudron pestilentiel hein, c'est vraiment euh, parce que c'est un artefact qu'on peut aller chercher qui permet de casser l'explosion restauratrice donc très malin au niveau du deck build qui permet de reprendre deux créatures terrain ou artefacts ciblés euh, depuis notre cimetière dans notre main et euh, Chaque joueur gagne 4 points de vie puis on exile l'explosion Et en fait ça va permettre de faire des espèces de boucles On va reprendre des Kioras avec les, On va reprendre des Karn euh, Karn va reprendre euh, du coup L'explosion le, depuis l'exil, euh, Puisque Exactement. le chaudron du coup sera exilé euh, Et il permet de le reprendre euh, On va réactiver des Nyxos, refaire du mana Et faire des boucles comme ça pour générer toujours un peu plus de mana et et si euh... t'as deux Cura, ça fonctionne en fait. T'as même pas besoin de passer par Chainvale parce qu'à chaque fois, tu reprends une Cura ouais. qui en sacrifie une que tu vas reprendre avec ton Chaudron qui va s'exiler, que tu vas reprendre avec ton Karn et ainsi de suite. C'est ça. Euh, mais voilà, c'est un petit peu complexe. Si vous voulez en apprendre plus sur le deck, le mieux c'est de le jouer et de regarder peut-être ouais. des articles ou des streams euh, là-dessus pour la combo. Là, on va essayer de montrer du gameplay, ce que fait le deck de base. Euh, surtout quand on n'a pas la combo euh, comme on est en pionnière, on essaie de pas forcément passer par là. quoi. Si on... Non, non. Si Là, on ça va faire... juste nous servir d'outil de, de récupération, tout simplement. Ça nous permet de reprendre deux cartes du cimetière, euh, ce petit chaudron-là. Mais si vous avez deux Kyora et deux carnes, du coup, vous avez une boucle infinie pour, euh, pour euh, faire euh, autant de mana que vous le souhaitez. Je crois qu'on n'a pas de baliste sur Arena. Ou alors que c'est banni de toute façon en pionnière, c'est ça pour, euh, pour Il finir les parties C'est banni, ouais. Eh ben, écoute, on est parti. Hein. Let's go. On va pas spécifiquement passer par le plan combo. Le deck peut très bien gagner 100 et euh, c'est pas l'idée ici je crois que ça a été banni et que du coup ils l'ont pas ajouté sur Arena, si je dis pas de bêtises. Ouais, je me souviens plus, c'est probablement banni. Ouais. Parce que du coup, une fois que tu fais mana infini avec ta, avec ta boucle, tu tues avec quoi du coup en pionnière Est-ce que c'est est, est ça, ça que Chen Veil sert ou pas du tout Ou elle te facilite euh... juste le départ en combo Bah je sais que tu fais beaucoup de mana, euh, tu peux aller chercher du coup toutes tes cartes de side et les jouer. Euh, ok, ouais, t'as pas, pas une combo létale. Quoi. Un pionnier, en fait, avec Chenveil comme tu peux faire euh, dans ta même boucle deux fois les effets, euh, ça te permet de mmh. te faire des dingueries. Ah, c'est une main bizarre, on peut pas casser notre rôle primaire. On a un souverain euh, anecdotique, on a pas d'Alpha, mana Ouais, c'est des mains que tu peux pas vrai. garder, même si t'as Nyctos. Elle Alors a l'air bien, bien, mais elle ne l'est pas, ouais. C'est ça. C'est un deck qui mouligane très très bien parce que tu rattrapes très très vite le, le déficit en fait euh, en cartes grâce à des cartes comme l'Assaut du Festival. Ouais. Euh, je crois qu'avec double elf et Nyctos, tu fais assauter 4 je crois. Ouais, je crois que c'est la bête que j'enlève. Ouais, je crois aussi. Attends, double elf et Nyctos, Nyctos ne va pas faire de mana. Ouais, mais tu seras à 5 mana juste avec tes double elf et ton mana incolore de Nyctos. Ouais. Donc si jamais tu pioches un land Tes 4 t'es parti. Si je pioche un havre du sol loup, je suis régalé. En fait, si tu pioches n'importe quelle carte qui te donne de la dévotion ou un land, euh, c'est bon. Héroïque. Là c'est bon. Alors du coup ce deck là, euh, ce qui est difficile contre Monogreen c'est que quand il commence à partir en couille euh, il est inarrêtable. Euh, vous rentrez dans une espèce de, de flow of cards à l'instar de ce que fait Phoenix. Euh, par contre si jamais vous l'enrayez dès le début c'est là où le deck fait un peu rien quoi. Peu patiner. Oh c'est 4 points tour 2. Ouais. Et s'il commence à tuer tes elfes tu vas passer un sacré mauvais moment quand même. Ouais. J'ai quand même essayé de mettre double elf. Hein. Je pourrais pas la au pour prochain. Par contre, je pourrais être frappé d'amour. Ce qui est pas mal du tout. Je vais prendre les dégâts, j'ai besoin absolument de mes elfes. t'aurais pu assauter 3 en fait. C'est ouf. Si tu es pas, ouais. Un autre assaut. Bon, tu sais que tu feras assaut le tour d'après, cela dit. Écoute, on je va faire la petite frappe d'amour. T'auras du coup 3 de dévotion pour 3 investis. Donc, non, sans cura ça ne fonctionne toujours pas. Espérer juste qu'il soit pas trop trop violent ici. Oh, il fait des dingueries quand même là. Ouais, bon, c'est Ça m'étonne pas que ça soit pas forcément un excellent match-up pour le coup. Effectivement, si je pioche pas de long tu peux pas faire assaut. Ouais, je sais ce que je te disais. ouais, On ouais. est quand même battu parce que t'as que 3 de dévotion pour 3 mains engagées. Là, bah, le deck de... sans Kyora ou sans le, sans le troll, c'est quand même moins fort. On va bloquer avec la 1, je pense. Ah non, ah, faut ouais. pas que tu donnes ta dévotion. Ah, ouais, J'ai cru qu'il y euh... euh, piétinement, mais pas du tout. Et euh, ça ne fonctionne pas, pas encore, je... mais écoute, euh, juste le jouer. Ça. Enchaîner les 5-5 contre la DK Gros, ça marche bien aussi. Ouais, et puis tu auras toujours un bloc ici qui te permettra le tour d'après de, de jouer ta combo. Enfin, ta combo. Pas ta combo, mais l'assaut du festival qui fait des, des trous. Oh, j'aurais pu attaquer, comme ça il a bloqué. Comme ça on perdait, directement. On perd le match. Passe à la prochaine. C'est fort ça, hein, dans... Dans... Comment ça s'appelle dans deck-là euh, là, ouais héroïque. Ouais, ouais. Avec lui en plus. Demanda, je mets deux marqueurs, je connais deux. Ok. Oh, Jaya manga. Manga Plutôt joli. Pas, pas aussi bien que Mamie Jaya qu'on a qu'on a ici présentement. On pourra aller au festival tour prochain. S'il ne gère aucune bête, il n'y a pas l'air de le putain, faire J'espère qu'il n'a pas euh, moyen de donner piétinement, mais en vrai tout va bien. Là tu commences à sécuriser assez le board pour que ton ne puisse pas faire grand chose. Ah bah t'as 1000 mana maintenant euh, si tu veux. Je peux faire Niktos, je... 4 mana, je rejoue. Tu je fais d'abord Nyctos. Non, tu... non mais t'as déjà 6 mana et avec l'assaut du festival, du coup tu pourras rejouer ton Niktos après Ouais. Et... Ah oui, mais par contre, t'auras pas. Si il y a Kyura qui te permettra de. Ah non, peut-être qu'il faut et que tu Nictos maintenant si tu veux prendre du mana en avance. Ben bah, je vais gagner. Euh... Je vais gagner deux mana. Donc qu'est-ce que je vais faire avec deux mana euh... et mon assaut Ouais, mais le tour d'après. Là... Enfin, le truc c'est que si tu joues Niktos après, dans tous les cas, tu fais rien de spécial, quoi. mais hmm... bah, en fait. Non, ouais, non mais, mais je perds faut... un Niktos Non, je pense qu'il faut le garder. Ok. Eh ben on va mettre des bêtes. Hein. Ouais, ouais, vas-y. De toute façon, le but, c'est qu'il puisse pas te tuer. Et visiblement, il peut pas. Donc. Euh... On a des bloqueurs. Ça, c'est. Et là, tu et commences bien. à avoir beaucoup de dévotion. Donc, tu vas pouvoir enchaîner les assauts du festival. Ah, ben bah, voilà. Je me demandais ah, comment bah, il allait nous tuer. Il a gagné avec à la grâce des dieux en proverbe. C'est dommage que t'aies pas pu mettre un token 1-1 blanc. Oui. C'est okay. vrai. Et tu vois, typiquement, contre lui, on va rentrer la bombe à rocher main deck. Ah oui. Plutôt que d'essayer d'aller la chercher. Elle est ici. Mes portails, je accès aussi. Pas du tout. <laughs> euh, Qu'est-ce que je peux cut euh, Contre un gros, les elfes sont généralement moins bons, mais bon. Ouais, enfin, t'en as besoin quand même pour accélérer ton paquet. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment trop long contre lui. lui. Tu peux enlever un, un, un Sky Sovereign. Ouais, tu peux même mettre un chariot à la place du deuxième, non Et on, on fout les deux dans ouais. le deck. Ça mettra plus de plus de bloqueurs, plus de bloqueurs euh, plutôt. Allez, go ça me va. Bon, si vous aimez Donc, voilà, pas ça si euh, c'est bien quand même au over Vous avez vu, oui. on a changé que deux cartes. C'est ça. Mais tu vois, les gens pensent vraiment en mode, ah j'ai pas du tout ça idée. Hmm. Non, il y a toujours un ou deux in qui rentrent, tu vois. Ah, il ouais. faut quand même y réfléchir. Euh, c'est pas, c'est pas anodin non plus quoi. Je suis en premier. Oh, Let's ben, go. Parfait. Par contre, c'est un peu chiant quand on a nos elfes. Ouais, mais disons que ça lui fera plus mal qu'à toi, j'imagine. Ouais. Puis au pire, tu t'en sers juste pas. Hein. Oui. C'est quoi c'est CCM, faire... CCM ou moins ou juste CCM que ça tu euh, Chez non-terrain, il y a une euh, charge. Ah ouais, donc c'est bon, si tu mets CCM 2, ça tu auras tous ces CCM 2, quoi. Ouais. Euh, je vais faire trop le primaire, je crois, là. Ouais, ouais. Bien sûr, ça, s'il peut me tuer avec... Euh, racheter mes RR, Je vais engager un euh, ma forêt. C'est Kyura aussi qui est un des moteurs du deck parce que ça te permet naturellement d'avancer dans ton deck à chaque fois que tu joues un pâté. Ouais. Et c'est elle qui, euh, qui permet de continuer à, à piocher des cartes quand tu pars en couille. Probablement pas ton meilleur match-up, hein, Boros Héroïque, avec lequel tu peux pas interagir. Un peu chaud, ouais. De toute façon, avec Monové, on interagit jamais. C'est ça. Tu vas faire de la hate, mais tu vas pas vraiment interagir. Avec le petit diner, oui, mais bon. C'est un rituel à 8. Ouais. Avec le gros portail. Le portail tout Phyrexia. C'était prévu Ouais. Bah, parce que le mec a tout, hein, évidemment c'est La même sortie, hein. je sais pas combien d'exemplaires de, il a d'oplite et de rage, mais euh, 8 et 8 ça, ça, fait, sa liste. Euh, ça fait deux fois la même, hein. ouais, ouais, et eh ben c'est bien de la merde, toi ce que tu fais de ton côté. Par contre, je vais pas te mentir, euh, écoute, je peux faire elf, 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 bomba rocher, fait, hein, fait, fait, on en est là, et on mettra deux marqueurs sur bomba rocher pour attraper des arcanistes, je pense, parce que là, si tu flingues tous tes elfes, ça va puer quand même. Ah mec, euh, je me termine là. Oh, quitte à perdre, tu te termineras, ouais. Ah ouais, je fais... Attends, attends, attends. Voilà. <laughs> Nickel. Attends, je fais sauter la caisse. Bouge pas. Oh putain, je croyais que c'était un truc qui mettait un à tout. <laughs> Ciao, ragazza. Bam. de bien te faire défoncer. Ah, il donne le pied avec ça, hein, effectivement. Mmh. Il est malinx le petit lynx. No euh, ouais, Ah Je vais tout péter Val. Est-ce que tu peux piocher une carte active, s'il te plaît à ce euh, Festival. Oh il fait plein de mana lui. C'est déjà ouais. pas mal. Ouais ouais ouais. Vincent Landon. Euh... C'est ouais. quand même pas ce qu'on cherche, pas te mentir. Ici, si t'as pas un cavalier rapido. Euh... Est-ce que tu veux que je fasse une 4-4 tu perds 3 de dévotion quand même. Hein. Je perds 3 de dev, mais bon. Je crois qu'on a assez de mana. T'as quoi derrière T'as 8 mana quand même Ouais. Ouais, vas-y alors. Ah, c'est pas un rituel, pardon. On aurait pu faire pendant son temps. Pas grave. Tepi. Il garde pas son CCM, le token. Non. C'est l'enchantement qui le garde. Et eh bien c'est dommage. Ah, on aurait peut-être pu le garder aussi pour Cura, tu vois. Je crois que c'est quand la bête arrive en jeu. Euh... Ouais, ça fait piocher sur Cura, ouais. Oh, plume. Incroyable. Ok. Mec, on va flinguer plume, je pense, hein. Avec la bombe à oh, rocher. Va la flinguer, quand. Oh, ah! Bonne dame. Oh. Euh... Mais prends donc du mana, je pense, euh, avec ta ton ictos. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve de sympa avec ce card Euh Bah écoute, on va aller voir ce qui fait chier euh, le deck de notre adversaire. Faites-le bien chier. C'est pas mal ça. Ouais. Vas-y, montre-moi montre encore. 4, 5, 6, 7. Tu peux aussi Hearth of Kiran pour protéger ton 8... karn. Euh. Ouais. Mais bon. C'est. Euh, c'est pas dit qu'il soit pas capable de passer au-dessus avec une rage téméraire en soum-soum. Là, il nous reste 4 mana. Ouais. Pour moi, c'est Hearth of Kiran ou alors tu prends un énorme portail pour le tour d'après. Portail, ça marche, il nous tue pas. Ouais, J'aime bien portail. Ça Après, Hearth of rentre t'es sûr qu'il nous tue pas parce qu'il peut pas donner la protection contre ça. Ouais. Et ça protège mais... ton carne qui pourra faire un second effet le tour d'après. Moi, okay, je pense que c'est le choix le plus raisonnable, tu vois, mais peut-être pas le, peut-être pas celui qui te donne le plus de win rate, tu vois. On va voir. Ah, okay. ouais, j'attaque là. Dis... Disons qu'il a beau euh... avec le 4-4, peut-être pas. S'il donne non. piétinement, tu seras peut-être content de... de pouvoir bloquer. Ok, marqueur, tu vois avec, sprite, avec Earth of, of Kiran du coup on survit à, à la grâce des dieux. Ouais. Alors que là le tour d'après je pense qu'on était mort. Sans trop de surprises. C'est quoi ce bruit Quel bruit Il y a eu une espèce de bruit de dinosaure deux fois d'affilée, je sais. C'est le troll non. Ah non, c'est son truc de merde à droite là. Il je me transforme en, en dinosaure. Pardonnez-moi, je fais régulièrement des mots dinosaures. La griffe et Je pense que sans cœur de Kiran, on était mort, franchement. 4, 5, 6, 7. Pro. 8. Ah, il, y a... il manque 3, mais je pense qu'il les a en main, quoi. Voilà. Ouais, je pense qu'il les a aussi. Il les a bien en main, même. Donc, on devrait pouvoir survivre. Et. Euh... Et espérer lui faire un gros portail quoi. Ah mais dans tous les cas il peut tout foutre sur Karn. S'il est malin Il peut tuer Karn avec son petit ouais mais du coup euh, bah, je vais dire ok. Ouais mais c'est un peu chiant du coup. C'est un peu chiant. Le vaut-il venir Mais au pli de face, on va juste bloquer Plume. Ouais, non, ouais, il le voit venir. Ouais. Donc c'est ok. Bah ouais, c'est ok, malheureusement. Faut que tu pioches bien là maintenant. Bam bam. Faut que tu pioches comme un chef. Dans tous les cas, ça, ça va coûter. Ça va monter à 3 charges, pardon. Ouais. C'est fort, Plume. Hein. On avait oublié que c'était fort comme ça. Ah, ça marche bien dans son deck. Hein. Ok, ça c'est bien mal déjà. Parce que du coup il veut faire la grâce des dieux et on va mourir. Donc c'est déjà euh, pas -ce mal. Bah, tu, tu peux péter plume quand même, cela dit en réponse. Va hein. ah, peut-être le falloir le faire maintenant d'ailleurs. Ouais, je suis en train de lire. Ouais, non, il y aura falloir le trigger le faire, donc euh, je... ça, enfin, ça change rien. Bah, si tu fais maintenant, justement il trigger pas. Si tu le fais en rituel à ton tour. Oui. Oui, il faut le faire pendant notre tour, par contre. Ouais, ouais c'est ça. Allez, cassé. Et là, on a mal lu, ça remove notre board aussi, tu sais. Ah, en vrai, là, je prends un reset, il euh, n'y a plus de bête. C'était ok. Tu, tu prends le reset total Poste ton hein, je crois qu'il qu n'y a pas de... Je, ouais, je vais pas bloquer, en vrai, j'attaque avec tout. Tu vas, tu vas... Si, tu peux bloquer avec ton cœur de Kiran, même s'il donne protection, c'est ça la force du, du délire. Ah oui, ouais. Coup, Donc, euh, avec attaque, 4 avec, 4. attaque avec tout sauf le 4-4. Ouais. Ah, si fin de tour il le remove, on est un peu dégagé. Alors laisse un elf bah, Elf, je peux pas piloter, il faut que j'en laisse 3. Ouais, mais au moins tu peux. C'est à dire qu'il faut qu'il les remove plus à, à la. Ah ouais, mais à la grâce ah, des là. dieux, il l'a. Ouais. Je suis con. Ouais, bah vas-y. Hein. Attaque avec tout sauf le 4-4. Et s'il a un, un removal. Et qu'en plus il nous met 11, bah. il qu'il ait un removal maintenant. S'il a un removal à son tour, ça va. On <coughs> va bah, bien jouer le poulet tôt, quoi. Ces trois fourches de campagne là qui le piquent. Oh, le, le véhicule, quoi. Ça va le faire, Val. Nous sommes confiants. J'ai peur. J'ai très peur. Il peut rajouter. Euh, trop de points de dégâts C'est-à-dire en piétinement, tu veux dire Ouais. Et piétiner au-dessus de 4 Je crois pas. Bah ouais hein. je, crois je crois, crois qu'il y a Tu prends non Ah n'importe quel spell euh, Mais il nous genre... tue avec quoi Ah genre, avec un spell un, un en effet. Il prend un marqueur ouais genre Mais est-ce qu'il a des Est-ce qu'il a des pump spells Dans son deck C'est que des rituels Ces pump spells non Le truc c'est qu'il prend des marqueurs Juste à être ciblé Ouais mais du coup Il peut jouer quoi euh, Juste en le ciblant Parce que dans tous les cas S'il a ouais. racheté mes rares T'es mort Au pire on passer à la prochaine bah ouais, moi je pense que dans tous les cas, t'es mort sur H téméraire. Donc s'il a mes RR, bah il pump quoi. Franchement, ça me va. Ok, hop, ah, incroyable. Incroyable que le pierre, mec ait ça dans son deck. Non mais, non mais franchement. Belle non carte. mais franchement quoi. Non, c'est une belle carte. Ah non mais franchement, voilà, je te le dis. Soyons francs. Ah mais je te sens très franc, voilà. Et c'est reparti. C'était une quelle merde. L'avantage, c'est qu'ils qu sont pas nombreux à faire ce qu'il fait. Donc normalement, on se s'en reprend pas un là. Hmm. Méfie-toi de l'engrenage du ladder si tout le monde joue mono vert et que ça, ça éclate mono vert. Ouais. Tout le monde joue ça. En plus, c'est budget. Tu vas taper quelques-uns. Hein. Ah, mais non. Ah, mais non. Ah, ah c'est lui qui choisit de commencer. Oh, mais c'est les meilleures mains ça. Nyctos, de la merde. Parfait. Tu... Franchement, Monover, c'est vraiment le deck qu'il faut pas que je joue, je le sais. Ah ouais, c'est dur. Hein. Ah, c'est bien. Okay. Non, non, c'est bien, tu fais elf dans Excellent. Ouais, ouais, mais bon. Le Nyctos, il joue un peu relou quand t'as pas d'autre sens en... de verre. Enlève le Sky ouais, Sovereign dans le ça... doute, on sait pas ce qu'il joue. Ah si non, elle non, non, par cette contre, main. La, main est... la, main est... la main est Ah, voilà. Oh, ouais, excellente main. Oh, il joue pas héroïque. Let's mais. go. Bizarrement. Il joue Naya héroïque. Ah bah je ah, j'allais dire il joue les couleurs permissives, pas tellement en fait. Je sais je sais... Voilà. Oh putain. Les mecs en face c'est tous dieux. C'est chiant quand même. Hein Un petit que peu. ça soit tous, euh, tous dieux comme ça. Salut c'est dieu, comment on va Oh salut dieu. Ravi que tu sois parmi nous. ça vraiment on en a vraiment rien à caguer ça à dire très peu on va s'enlever un assaut je pense hein. ouais Zouf. et je crois qu'il va falloir qu'il y aura et détaper une forêt ça fonctionne pour Bozéjou ou pas ou faut que ce soit une créature non, légendaire une créature. ouais donc si l'appareil lion on a perdu c'est pas très grave faut qu'il ait euh, Lyon plus euh, l'autre euh, Grisfang dans sa main. Plus Grisfang, ouais. Après, tu connais le dicton. Oui. Si on se demande s'il l'a... L'a-t-il, l'a-t-il pas C'est qu'il l'a. En tout cas, sur sa meule et sa défaut, s'il l'a pas. Donc, parce, euh... que parce que c'est un, un malin. C'est un malinx Ouais, c'est un malinx. Oui, il l'a dans il a la main, ça. il le défaussera le tour d'après. Lyon let's go. Un land. Tiens, tiens, tiens. Oh. Crow, ok, tout ça va, va. Bien. Okay, tout va bien. On va essayer de stabiliser avec un cavalier qui va se faire sacrifier. Et on va passer à deux. C'est nul Mono hein, en vrai. C'est vraiment si très tu... nul. Hein. Si tu l'attaques bien dès le début, euh, en même temps il nous burn notre elfe. Euh, ça change tout, on aurait déjà cavalier là sur ce board. C'est vrai. Ça reste vraiment très nul, mais, euh... mais c'est vrai. Ah, là, tu peux commencer non, à de... faire des que trucs. Ouais. Euh... Karn qui va non. chercher rien, donc c'est pas fou. Alors t'as Karn qui peut aller chercher euh, une mode script, mais qui n'a pas de valeur ici. Si ce n'est, ne pas se prendre par rayon à coup sûr. Ouais, mais là on n'est pas, on n'est pas dedans. Ouais. Hein. Donc c'est pas très bien. Non, mais fais un cavalier, cavalier. Il nous tue pas de toute façon le tour d'après, donc. Ouais. Euh... On a un une petite carte en plus. Figure. Peu importe. On une forêt. On a un autre assaut. Et on peut suis une forêt. Ok. On est à combien de faire un assaut 6, 7... On est à 3 manas de faire un assaut. Donc c'est pas ouais. cette game là qu'on en fera un. Pas tout de suite, tout de okay. suite. Je peux reprendre un assaut là justement. Euh, reprends un assaut je crois. C'est -ce mieux à faire eh ouais, on est là hein. Enfin moi je suis là quoi. Je pense que t'es là aussi, non oh. Mais je suis pas là, je suis ici, hein. Je suis là, je suis fatigué. Ah oui ouais, je suis, je suis LAS. Ah ouais, moi aussi. On est lassé, en fait, quelque part. Je suis LAS de fou. Il joue quoi Attends, ba... quoi Barattement calavérique. Alors on n'a pas besoin de jouer ça, euh, Ameno, tu as euh, euh, Satire Guide voix euh, qui vient améliorer ton deck, donc n'hésite pas. Genre il tue pas y aura what ah d'accord okay. comme c'était compliqué là on <laughs> <Ça> peut <laughs> être plus simple comme c'était laid, quoi ok oh là, il a il me mêler d'une carte sous et allez on prie oh c'est très mal. décent bête et cavalier Bête, cavalier... Est-ce que t'as besoin de la bête Est-ce que t'as pas besoin sûr. de t'avancer Repère, ça te fait deux lampes d'avance. Cavalier... Non, mais le cavalier dans tous les... Faire ah non, il faut langue. une bête pour que tu puisses sacrifier un truc sur euh, Liliana. Ah ouais. ouais, 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 ok. Tant qu'à faire, je sais bon. ça. Ouais, prends la plus grosse. Hein. Un havre... Ah non, deux havres et un troll primaire. Primaire, quoi. C'est vraiment pas sympa pour le troll. Ah oh, bah, c'est vraiment genre... Euh... C'est le neuneu un peu quoi. Mais qui trouve pas, le... Les joue pas hein le le il est pas, hein. non je un. Le le troll bête quoi. Allez, trouve encore rien s'il te plaît. Toujours pas. Toujours pas. Ah, Sky Sovereign, ça fait. Ah mais ça va. Un ça peu va. chier. Ça va. Enfin, un peu chier quand même. Oh, bon. Bon. Ah c'est 6 points là, un Fly. 6 hein. points, on peut ah, bloquer. Euh... Ça dégage. Ah c'est 6 points fly ouais c'est vrai que maintenant que tu le dis ça fait chier. Et quand je même. peux bloquer un chat. Eh ouais on est à deux hein. Ah non mais il nous tue en fait. Mmh, comment Bah là il va tuer ton cavalier donc tu vas pas bloquer. Ah il fait deux fois Ah oui, eh oui Ah ouais, ouais, on a eh perdu, oui Ah oui du coup, ouais. Eh bah ben, c'était excellent. Et du coup on a effectivement bien perdu. Eh enfin, ouais. Je croyais que j'allais en bloquer un mais euh... Et passons là-dessus. Ah oh, quel jeu euh, formidable, euh, mon Ah, quelle chiasse Ah, quelle chiasse Alors, euh, qu'est-ce qu'on veut Un lui rien. Parce que si notre plan de jeu se déroule comme prévu, c'est 4 pour 3 avec Crypt de Tom Rod et il peut pas combattre. Ouais, là, c'est plutôt bien. Et tu préfères avoir la, la crypte en, en possibilité. Mmh. Bah, c'est surtout en fait, quand tu side, c'est plutôt qu'est-ce que tu veux plus dans ton deck. Et genre. Mmh à peu près tout nous intéresse. Non, ça me va de passer idée contre le contre pouleto. Ouais. Allez, let's Gong. corbillard ça aurait pu euh, se mettre dans le deck peut-être. Mais bon. Ah oui, t'as raison. corbillard, faut que ça soit main deck parce que pour le coup, c'est vraiment très médiocre à aller chercher. Ouais. À côté, bah, en même... fait, c'est le deuxième truc. Normalement, tu as chercher Crypt pour pas de combo. Ah, oh, on aurait et... pu. Euh, et après on à la Crypt pu... tu vas chercher Corbiard. On aurait pu mettre corbillard à la place d'un Sky Sovereign. C'était pas des pas déconnant. Mm. Parce que Sovereign ça ça C4-3 je... donc c'est bien aussi. Sachant qu'il y a un algorithme qui fait que quand tu rentres ta carte dans ton deck tu la pioches. Ouais. N'hésitez pas à abuser d'algorithme. C'est faux, voilà, ne faites pas ça. Vite. Et puis tu gagnes cette main horrible quoi. Ah je la kipe. T'as pas le choix. Allez, pas interaction en tour 1. Mec il fait fatal push sur ton elf, je chie par terre. Ah je la je pars hein. Tu pars peut-être pas parce que tu peux topdecker land. Oh yes, putain. Oh yes. Putain, t'es bon. Allez, Havre du Sol, loulou. Bah, ça sert à rien de faire ça. Ouais, tu. Enfin, t'as un mana qui flottera quoi qu'il arrive. C'est pas grave, je l'ai fait. Ah, un, si deux, tu trois, top topdeck un petit land, on fait cavalier. Hein. Allez, cavalier tour 3 là. Cavalier King Charles. Euh, allez, cavalier tour 3. Et ah, le allez, let's go. On en joue quand même pas énormément. 22, c'est pas facile. Ouh, ah, par tu, tu feras pas cavalier tour 3 parce que le mec en face est un boss. Et t'avais ton petit land, ça fout le sum. Qui sum ici Mec tu as sum. Euh, je fait, le sens. Euh, attention. On était pas mort. Oh, je suis pas parti. Ah, ok. <laughs> parce que vraiment, on n'est pas mort. On a cavalier le tour d'après. Ah ouais. Avec un land. Encore une fois. <laughs> Et là, on ne pioche pas, par contre. Euh... Pff... Putain, quel enfer. C'est vraiment euh... horrible comme deck monogreen. Hein. Allez, vas-y, relance. On va réussir. Mec, monogreen, c'est le après... pire deck qu'on ait jamais fait. Je pense que les gens sont contents que monogreen, ça ne soit pas si problématique du coup. Oui, tant mieux. Euh, mais après, les commentaires vont vérifier ce que je vais dire là. Euh, c'est à dire que c'est notre monogreen qui est pourri. Le monogreen de, que les gens affrontent, euh, il marche bien. Moi, quand j'affronte monogreen, ça se passe plutôt très très bien pour eux. J'avoue que je prends tout le temps elf T1, donc il y aura T2, et, et après, c'est la, la fête aux bulles, quoi. Et oui, et oui, oui, mais oui. Euh... Avec, je comprends ce que disaient les pros. Les decks de pionniers, les decks de pionniers sont nuls. <laughs> les decks de pionniers sont nuls. Les pas mecs, il y a tous. Phoenix, il euh, y a Ragdos, il y a ça. C'est pas nul, Ils regardent, putain, c'est nul quand même. Hein. En fait, ce qu'expliquaient les pros, c'est que tu avais beaucoup d'autopilotage dans les decks de pionniers. C'est-à-dire que tu as des lignes de play qui sont assez claires, définies et précises. C'est-à-dire que tu as un plan et tu t'y tiens. T'as pas un arbre décisionnel qui est aussi vaste qu'en moderne. Mais typiquement, Phoenix, ça déroge beaucoup à cette règle-là, par exemple. UI Control aussi. Tout en étant nul. Non, c'est pas nul, Phoenix, c'est excellent. Le deck. Non, mais je dis pas que ce sont euh, des decks qui sont euh, pas forts. Et que les decks sont nuls, tu vois. Bah, Mais tous sont dans, nuls. Dans, Donc c'est dans l'idée où Phoenix te propose plein de plays euh, différents, euh, je trouve qu'il rentre pas justement dans la ligne de texte de ce qu'on. Tu vois, en fait, les gens qui disent ça du Pionnier, ils parlent de Grisfang et de Mono Green par exemple, tu vois. Mm. Surtout. Et de Mono Blanc. Mono Blanc, c'est genre en mode tu fais un board avec Braves et Éléments. Mono Green, c'est bah tu fais un board avec euh, du Mana. Et Grisfang, c'est bah tu fais un cimetière avec des Parélyons, quoi. Et t'as pas 1000 plans derrière quoi. Écoute, tu prends quand même ton petit carne ici, mon pote. Hein. Ah, c'est le petit carne, hein Ouais. Alors lui, il joue euh, Fire Énigmatique. Donc comment est-ce qu'on l'empêche le, au maximum euh... Nature Nature 6 mana pour d'après. Et ça coûte 8 euh, nos spells. Est-ce que tu vas aller chercher une puce au cas où il trouverait son énigmatique Je vais prendre ça, hein, ça euh, j'enlève euh, énigmatique et puni. Ah mais si le tour d'après fait énigmatique, c'est toi qui es puni. Ça ne me plaît euh... pas des masses. Ouais. Je prendrais une puce détraquée, moi, en l'état, pour l'instant. Ok. Aka la puce de merde. C'est une puce de merde C'est une puce détraquée, donc elle fonctionne pas quoi. Ah ouais. Ah je pensais qu'elle était folle, genre. Ah elle peut être folle aussi ouais, ouais genre elle fait n'importe quoi elle est détraquée cette puce du coup c'est une puce dingo ouais please pas fire ah oh, les mecs ont tout quoi ils sont bons quand même putain putain les mecs ont tout quoi les mecs ils ont tout quoi le mec il a redan c'est un one off dans son deck non mais ai-je le droit d'hurler vas-y on le putain parce que là le tour d'après on lui fait on lui fait la totale hein. Oh, putain. <laughs> Ça On peut arrêter rire, cette vidéo, mais... Val, s'il te plaît. <laughs> Ça me fait rire et en même temps j'ai envie de tout casser, gros. C'est un, un espèce de, de sentiment. Ah ben, il faut que tu puisses détraquer. Tu peux même pas qu'il y aura ici. Hein. Ouais, ouais. Je casse quoi Ça, énigmatique Non, énigmatique, ouais. Après, s'il sacrifie ça, on récupère. Non, mais il sacrifie des enchantements, pas des créatures. Oui, ah, je suis qui Avec énigmatique. Du coup, il va sacrifier son fire, il va aller chercher un drop 5 et on va avoir perdu, quoi. Juste perdu. Oh. Parce que là, on n'a pas perdu, c'est ça qui est bien. Pas loin, mais... mais pas tout à fait. Assez près, même. Assez, assez près.

ça va trop vite! Mec, si je pioche deux Sky Sovereign main Deck, je la mouligane pas, je la concède! Je la concède! Je relance une! Deux Sky Sovereign, main de départ, je pars! prends le risque! Voilà! Bien mieux c'était deux Sky! Oh, je la concède quand même! Non, non, non! lui, on va lui faire la. lui faire la tête au carré! Allez, Qui aura dans. Mais c'est monogreen dévotion, on peut avoir de la dévotion un jour aussi? Merde! Ah, c'est dur. Hein. Visiblement, c'est dur. Allez, c'est un point, ça. Oh, le contre. Tu bats un contre à x égal 1 et t'as un deuxième carne, vas-y. Hein. T'emmerde pas. Hein. Oh, yes. Ouais. Bah, son contre, c'était bien un contre de merde. La petite puce? Hum. Peut-être que là, sphère, euh, pardon, cerveau, ça devient vraiment intéressant puisqu'il n'aura pas le temps de passer son fire. Mais je peux le prendre le tour d'après. Ah ouais, c'est vrai. Ou alors non, alors... veut... non vas-y, je prends cerveau t'as raison. Ouais, moi bon, ça me va cerveau. Et là, s'il fait fin de tour, grosse pyrol alors que c'est pas joué dans les listes, je pète un plomb. Ok, ça va. Ça fait péter un plomb. Ah je, grosse oh, gros, gros euh, fire, incarnation, go. Ah tu <laughs> imagines ah on devenait zen zen. J'y mets même un point, tu vois. Il mérite cadeau. Pas de bête, c'est hérité, euh, pas à ma connaissance, non. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent. Encore hein, oui. une fois, j'aime bien avoir ouais. une chasseuse de rage pour ce genre de situation. Il a bien une bête de merde, ça, ça fait plaisir. Non, tu veux le vaucère là. Bref vos serre-le, vas-y. Au moins t'es sûr que son deck fait plus que dalle quoi. Attends, je commence par ça. Je commence je par j la pipe. J'ai 6 manax. Oh Ah, foulé une statue sur la gueule, ouais. Oh grosse statue sur le coin de la pipe là. Ah, ouais, quoi que c'est pas ouf contre lui, non Qu'est-ce Deux bah... de plus, ça veut dire que là, ces trucs à 4 il peut pas les jouer. Ça le recte un peu, hein. Moi je prendrais juste une puce et je ferais le play cerveau ici. Comme ça, tu, le... tu couvres tous les angles et le tour d'après tu fais un assaut et tu te mets bien. Tu peux même prendre une citadelle si tu veux être sûr de, de te mettre à l'assaut et on ferait juste un, un cerveau ici. Non, j'aime bien puce. Vas-y. Aime tu aimes bien parce qu'elle est, est détraquée. La puce au gaga. Lui. Tu sais comment s'appelle euh, son truc C'est énigmatique Incarnation, donc c'est Incarnation énigmatique je crois. C'est bon, bon Oh, il en avait une dans la main, le coquin. Il a un Fire, Tolzimir. Ok. Tout va bien. Agent ah, très très dans... titan. Attends, t'as pas cliqué sur le troisième Oui, je sais. Je ah, sais, si le tu cliques, même. ça les. Euh... D'accord. Confinement, confinement, Rhino. Trois fables. Classique. Ah, oh, ça c'est bien ça. Classique. Moi, ouais, il a la classique. Ok. Il a la classique, rien de, rien de notable. Bon, maintenant son deck est vachement moins fort. Cela dit, on n'est quand même pas tiré ouais, d'affaire. Je peux faire ça. Ouais. Et je joue pas ma puce du coup puisqu'il a ça. Ouais. <coughs> je vais aller à la sauce. Trop d'après. À la sauce du festival C'est quoi une sauce festival Pour moi, ça me fait penser à une sauce cocktail, mais ça doit être un peu plus épicé. Sauce festival euh, Pour moi, c'est une sauce burger, c'est un truc que tu fous partout. Ok. La sauce cocktail, c'est un mix de maillot et de ketchup. Du coup, ah, la sauce festival. Non, la sauce burger, c'est la sauce euh, la sauce Biggie, quoi. Mais je croyais que c'était ke euh, ketchup mayo, ma sauce burger. Non, ça ça a pas le même goût en tout cas. La cocktail, okay. c'est ketchup mayo. Ouais. C'est bizarre parce que ça a vraiment genre ketchup mayo, c'est vraiment le Les... la sauce du peuple et cocktail. Ouais. Euh, ouais. Ça fait mais c'est parce le que est-ce qu'ils se foutent de la gueule du monde ça, ah, devrait okay. ça devrait pas s'appeler sauce cocktail. Ça devrait s'appeler sauce ketchup mayo. Au moins, je le sais maintenant. À la sauce. Ah la sauce ouais. Mais du coup la sauce festival je pense qu'elle est un peu relevée tu vois. Euh, troll et Nyctos hein Ouais troll Nyctos, ça je me va. Ça. Putain on a enfin une game qui se passe bien. Euh, non, il faut toujours pas la jouer, ouais. Et là maintenant son ouais. deck ça reste quand même un amas de créatures et d'enchantements random. Et ça c'est quand même très drôle. C'est vrai. Il peut Landfire Tolzimir. Non, de Fire, un okay, vrai, un hein, de ses meilleurs plays et, et on va juste s'en foutre, quoi. Il peut aussi Fire, Chevalier, je casse Fire. Mec, franchement, à, au, au point où il en est, je me saborde. <laughs> on passe vite à la 3. Genre, vraiment, oh. tu vois, il y a deux bateaux de pirates, il y en a un qui se fait attaquer mmh. et ben, je prends tout l'équipage et je les fous à l'eau. Et ça dégage les pirates. Ah, mais je me dégage moi-même, j'abandonne le navire, quoi. Ah oui, genre, euh, tu es toi-même un pirate. Oui, je suis moi-même ouais. un pirate et je, je me barre, quoi. Prenez tout. Alors, t'as combien de mana Fire. 4, 5, 6, 6 5. 11, moins 2, 9. Ça va. Ah, il a fighté la mauvaise bête, par contre. Ouais. Mon carnet est mort quand même, mais c'est pas grave. Bon, t'en as genre assez dans ta main pour que ça soit acceptable Ouh. Oh tu peux refaire un assaut mais est-ce que c'est pas juste plus safe de faire un Karn On va chercher quoi Bon là tu vas chercher un truc genre portail ou quoi non Après tu peux pas le faire dans le tour, non mais on fait plutôt un assaut alors comme ça le tour d'après tu fais Karn dans. Je peux faire Karn un sky dans ce que sovereign que dans le tour. Tu peux faire Karn, sky sovereign Ouais. Qui tue quoi le euh, tu quoi Tu dois te prendre juste euh, comment elle s'appelle. Euh, chevalière. La chevalière. Ah, est après pas ouf, faut, faut qu'elle tombe. Hein qu'elle tombe sur un truc pas ouf si on fait portail et qu'elle le tue c'est chiant moi j'aime bien à l'assaut du festival parce que le tour d'après tu fais nimp en fait okay. tant qu'à faire ça mange pas de pain que de tant que t'as le mana maintenant fais-le je pense il s'est engagé bien de toute façon Roll encore ouais et bête et bête je pense ouais histoire de pas mourir par le board oh. Dit le troll. Et là maintenant, t'as combien T'as 1, 2, euh, 8, t'as 9 de dévotion, t'as 6. Euh, donc 9 de dévotion, 4, ça te coûte 5. 3 mana. J'ai euh, 14 mana. 6, 7, 8, 9. Oula, j'en ai pas compté 14, moi, attends. Bah, 9, 10 euh, et 4, 14. Oh, Yorion. Ouais. En fait, je compte les deux euh, Mystic Elves Ouais, c'est ouais, bon, ouais. Parce que 9, ça active 10. ça. Ouais, c'est ça. Non, t'as 14, pardon. C'est moi qui sais pas compter. Et il va faire Tolzimir et il va faire se battre des trucs. Bah, vas-y, poto, on prend 4. Hein. On prend juste euh, ce bloc-là. Ouais. Parce qu'avec Tolzimir, il va rien tuer du coup. Et pourquoi il a un autre Tolzimir Ah non, avec euh, Yorion, ouais. Ouais, ouais. Il a blinké. Il va perdre son 3-3 qui est légendaire aussi. Un peu aux F. Ouais. Du coup, tu passes à 12 de dev. Ouais, J'ai perdu 4 mana. Avec ce truc, c'est un peu chiant. Mais... Ah oui, parce que tu perds 2 de dev plus 2 de mana. Donc, t'es à 10. T'es à 10, mais ça marche toujours sur Karn Sky Sovereign. Tu passes à 11. Euh. Je, je peux, peux... me faire plus, je casse ça, ça me rend 2 de dévotion, donc c'est gratuit. Ouais, ou alors je si Fire, devient... c'est Fire maintenant qui fait n'importe quoi, hein, je pense. Alors. Euh... Prends tout le mana que tu peux. 7. Sept... Je fais ça d'abord Commence par Karn, peut-être qu'on peut trouver un truc plus méchant. Ouais, 7 mana. Ouais. Donc là, si on trouve pas un truc mieux, on prend un truc pour plus tard, quoi. 7 mana. Portail side bien, tour d'après. Sky Sovereign, c'est bien. Et je peux faire Sky Sovereign plus je casse. Euh, T'auras assez Pour Sky Sovereign plus je casse, ça coûte 2 ouais. puces. Ouais, ouais. Il me reste ok, vas-y. Bon, ouais, bah j'aime bien. J'aime bien. J'aurai un ouais. fly en plus pour protéger Karn, c'est très bien. Block a fly, block a fly, block a fly. Ah blocker fly non parce qu'il va. Il, et il va, va tenter de la tuer, mais au moins le tour d'après il va se prendre un portail sur le coin de la pipe quoi. Ouais. Euh, et non il prendra toujours pas de portail puisque du coup il va tuer Karn, donc il va falloir que je le recaste. Il va essayer de tuer Karn. Il va réussir spoiler. Après, encore une fois, dans ces games, t'as pas Kiora. Si t'as Kiora, t'as la main pleine. Mm. Ça change tout. Là, il a plus Orion, il a plus Fire, il a plus Énigmatique. Enfin, il a quand même un, une potentialité de grind qui est quand même très limitée, quoi. Maintenant, le seul truc dont t'as peur, c'est genre un Titan ou un Agent, mais il en a un random dans 80 cartes. Mm. C'est gratuit de jouer ça. Ça, c'est gratuit, ouais. Ça fait un dévotion plus un de mana. Du coup, tu passes à 7, 8 de dévotion. 9, 10, 11. T'as toujours 11 maintenant. Donc, tu fais euh, toujours pas portail. Quel enfer. Mmh. Qu'est-ce qu'on va chercher Parce que là, avec son Iorion, on peut aller chercher qu'un truc. Ouais. Tu peux ouais, chercher Chaudron. Pour reprendre des, des que trues. ouais c'est peut-être ce qui se fait de Ou mieux alors vrai. portail passe mais bon son, le portail il est pas incroyable non plus si le gère pas ce sera très bien mais ouais bah il a, il a déjà passé une, euh, une cavalière hein. il a que des randoms moins off donc euh... c'est quoi le cool, mieux tu après on peut aussi juste bête frapper d'amour passe euh, il peut pas trop euh, pas trop faire de dings. ça, ça me choque pas cocaute. moi de pré-shot incarne en fait, si jamais je fais bête frappée d'amour-passe, j'ai assez de mana d'après pour faire euh, carne et utiliser portail. Ok, parce que sinon, tu pouvais, comme tu dis, carne et récupérer des, des cartes de ton cimetière, dont d'autres Karn, tu vois. Moi, j'aimais ouais. bien aussi ce, ce plan-là. J'attaque, Le... voir s'il me donne des bêtes, ça rend portail plus efficace. Euh... Ou ouais. Euh, ah, mais non, non mais parce que non, non il va t'enlever de là. la dev. Il ouais. va t'enlever de la dev. Moi, je ferais Karn euh, de recovery, là. Enfin, l'espèce de de recovery. J'aime bien. Ok. Genre le, le grind quoi. Notre ami le chaudron. Mmh, ouais. Le cauldron. Et je le casse. Ouais ouais. Et tu récupères deux cartes. Et là il va vraiment rien t'arriver. Tu vois, si vraiment le grind est sans fin, quoi. Tu récupères toujours tes cartes, tu peux toujours récupérer tes balaguettes de recovery. Et franchement, vu qu'il a plus d'énigmatique, ça va être très très dur pour lui d'aller nous grinder en late game. J'aurais pu bête frapper d'amour euh, pour... Euh... Pour gagner un mana et faire bête frapper d'amour plus... Euh... Ouais, t'as raison. Je l'ai vu qu'après, mais ça c'est parce qu'on vient à peine de commencer Alors, à jouer le deck et qu'on n'a pas les mathématiques qui sont fluides. Non, on ne savait pas ce qu'on allait chercher, surtout. Non, mais on aurait pu prédéfinir ce qu'on allait chercher au préalable, compter et jouer la bête frapper avant. Ouais. Mais ça, ça demande une gymnastique, une gymnastique d'esprit qui euh, devient très facile au fur et à mesure que tu joues le deck, en fait. Ouais. Ce qui n'est pas notre cas, donc euh, pour l'instant nous on compte encore. Alors je crois pas qu'il ait de moyen de remonter son Yorion, mais si c'est le cas, ça deviendrait un peu chiant. Okay. Je sacrifie mon land ou pas Pourquoi tu sacrifierais le land C'est ce qui est de plus mauvais, tu penses Moi, bah, je peux l'animer et le sacrifier. Ça m'évite de perdre la dévotion si on sacrifie à 5-5. Hein. Moi, je pense que c'est mieux le. Ouais. Vas-y, vas-y. Ah, parce que si jamais on arrive à faire un portail, notre repère il va être pas mal pour bourrer. Hmm. Ah, mais voilà. Tu va pouvoir commencer par la pierre. Euh mais je vais pas utiliser ma dev, si je peux. Ouais, si que tu peux. Ah putain, je peux pas. Non, tu peux pas. Si... Bon, ah, tant pis. Tu peux retrouver si... un icto. Si je trouve un land d'étape, je peux. Alors fais-le et mais on va Mais du coup, ça, ça va m'obliger à prendre un land. Ouais, mais c'est pas grave parce que du coup, tu auras carne derrière pour refaire un coup de carne. Ah, mais je, je mets encore carne là qui le tue avec Orion. Patin, deuxième problème, carne. Y a veux un deuxième carne... tu, tu fais d'abord ton assaut du festival. Euh, tu trouves forcément un mana d'étape et ensuite t'active card quoi, avec la deuxième dévotion que tu trouves. Qu'est-ce que t'en penses C'est pas le meilleur plan qu'on ait On va aller voir. peut truc aura aussi. Hein. Ah bah voilà, j'aime bien. Ah Alors là, c'est tu pars en couille, mon pote. Qui hein. euh, et du coup, je dois prendre Havre. Ouais, c'est vachement bien, du coup. Nickel. Avre sur repère. Du coup, là, je peux faire ça. Ouais. 9. Tu peux encore le détaper, du coup. Et voilà. Et puis maintenant, t'es libre de t'amuser. On peut refaire un assaut du festival, commencer à piocher des cartes, faire un carne, un portail. Et là, t'es rentré dans le. dans le flot. Ouais, ça va pas suffire. J'ai vas-y. Je t'en prie. Moi, je referai un assaut, j'irai pas me ouais. Pas chier, toi avant d'utiliser ton ictos. Ah non, non je putain, t'es obligé. 10... Attends, ouais, de... on enlever un de deux. Vas-y, vas-y. Allons-y. Je donne un cas encore. Ouais, sauf que là, tu peux aller chercher un portail que tu es sûr de caster. Non, tour d'après, ouais. Ouais, bah, si alors. Sachant que ton dernier card, il va toujours chercher ton. Euh... Ça là, le chaudron. Voilà, c'est ça, ton chaudron. C'est bien ce jeu. Hein. Bah Quand ça se passe comme ça, c'est pas mal, ouais. Mais, putain, le nombre de games pour que ça se fasse bien. Bah ouais, on est tombé contre quelqu'un qui nous agresse pas très vite, et dans ce cas-là, c'est là où le deck mmh. brille, quoi. Et encore, il, avait, tout, hein. il, il, avait, euh, il avait Fire énigmatique. Hein. On l'a enlevé énigmatique, ouais, heureusement. Avait tout. Le binding sur la Cura, ça nous empêche aussi de faire des trucs totalement délirants, mais bon, ça va quoi. Tout le délire. Oh, le total délire quoi. C'est qu'en plus, cette vidéo devait être rapide, et elle ne l'est pas, pas du tout. C'est l'inverse du vidéo rapide. Le... Après, pour le coup, le contenu est... Ah bah là, les gens sont régalés. Et plutôt sympa. Toutes les personnes qui veulent des heures de contenu sans regarder les rediff de stream, là ils sont aux anges. Allez, badaboum, le portail qui tapera à 9 avec carne en plus, quel plaisir cro la grosse bête. On va sacrifier 3 kimchi, mais toi par contre tous les tours oh. tu vas pouvoir récupérer ses utilitaires. 4, 5, 6, 7, 8. Moi je peux Karn reprendre le chaudron et le caster non Euh c'est ah, 5, 5, 5 merde Mais t'as un elfe tu l'as compté ah, J'ai pas compté l'elf 3 4 5 donc tu peux Donc let's go Parfait Let's go Karn Chaudron Bon au pire je peux reprendre le chaudron même si je le castais pas mais ouais Mais tu imagines s'il si a une défausse Ah ben, bah, je vois le démon je pense aussi. Il bien ce jeu. Just, uh, just insane ce, cette tech de chaudron là. Ah là je commence à bourrer. Voilà. Ouais ouais ouais, puisqu'à un moment, euh, il faut que ça cesse quoi. De toute façon, euh, on gagne des, euh, des 4 pèves en boucle, il peut pas nous tuer, il a que, que 4 points. C'est vrai. À la cloque, on doit du sucer du temps. Hein. 16 minutes, 21, ouais pas mal. Ah bien joué ça. ça. Très bien joué. On va devoir euh, aller. Main, hein. euh... Ouais ouais bah allez, forcément il fallait qu'il le trouve. va falloir qu'on aille gérer un... notre propre. Euh... Notre propre ouais. portail. Comment on fait euh... La puce il faut elle faire Karn, La puce donc Karn, récupérer la puce c'est ça Carne, ouais. le chaudron récupérer la puce tuer le... notre propre portail. Gros il m'a bandé le cul lui hein. J'en peux plus. Euh, sinon, je peux prendre. Euh... Euh, ça, la l'isser. Je vais être le portail. Ah. Et ah oui, je, vais, je vais le récupérer après. Ouais. Oh, C'est vachement mieux. Ok. Oh putain. Alors faites ah, gaffe avec jeu... Nikto, s'il engage très très mal le jeu, il adore. Le jeu voulait pas t'aider. Hein. Casse le portail de Phyrexia. Ouais, ça fait que... un peu chier quand même. Hein. Putain, je pouvais euh, péter euh, ça pour reprendre Kiora, détaper Nictos, faire Karn. Ouais, compliqué. Compliqué, compliqué. Ouais. Perdons 5 mana. Tu peux jouer ton tabette frappée. Mange pas de pain. Perdons pas 5 mana. qu'elle est ton tellement là depuis de... le début. <laughs> Elle oublié. est là depuis beaucoup trop longtemps, cette, euh, cette bête frappée d'amour. Ouais. Bon, il y a un moment, ça cesse là. Ça s'arrête du côté de notre ami Tanti. Ça cesse! il a encore un banding. Yang Voilà. Putain, j'ai dit hein. Ah ouais, bah, j'ai dit le binding ouais. hein. J'ai ah. dit les hein. ah ouais Bah tu l'as dit ouais. Mais il y a un moment, Tanti Un moment, un moment, il a plus rien. Un moment, je vais t'attaquer, tu vas mourir aussi, hein. <rire> oui, <rire> je vais t'attaquer en fait. <laughs> passe d'attaque. On est dedans. Bam Vin Dieu. Oh, tu sais qu'on fera pas la game 3 hein Ah mais c'est bon pars. maintenant avec ton avec ton chaudron tu vas récupérer un carne et un portail. Et oui. là, let's go. C'est bon là. Ah mais tu peux faire ça dans le tour en fait, t'as déjà gagné. Vu que t'as 1000 mana maintenant. Oh Non. Ah oh, je crois que tu peux, hein. Ça te fait juste plus de dev, non non, bah, ça dépend, hein. sur 5 forêts, euh, bien content. C'est vrai. Moins 2. Allez, Coldron. Exilus. Oui, oh, il y en a Exilus, c'est vrai. Oh tiens, Je peux le prendre de sous le truc, trop bien. <laughs> L'échadron. Non, ça paye mal. Euh, ça va me faire 14 mana, bah, c'est pas grave, non Non, non, mais ça t'a engagé ton Nyctos là. Mais ben, ça va l'engager pour faire 14 mana. Ah oui, ok, c'est bon, d'accord. Non parce que ça peut masse, aussi l'engager... En fait voilà, ça peut l'engager pour amener un color. Pourquoi je peux pas reprendre ça Créature T1, cœur. Ah bah ben non, c'est pas les artefacts, c'est créature terrain, 1 cœur. Ah, bon, je ah, reprends deux cartes dans tous les cas. Oui, et tu, et tu récupères ta pièce. Non, tu peux reprendre ta puce là maintenant. Ah, t'avais pas envie. Ah, mais ben, c'est trop tard. Ah, je te demande un truc, tu dis oui, moi je clique. Hein. Mais non, mais c'était pas le... Ah, oh, je fais un aspect. C'était pas le but d'aller récupérer notre lisseur Non, vas-y, fais ce que tu veux. Tu sais quoi Vas-y, t'en euh... Ah, le lisseur Putain, je crois que tu parlais du portail j'avais je... pas le chemin. Euh, j'ai pas compris, excuse-moi. Ça fait trop longtemps, hein. ça fait une heure qu'on y est. J'y suis plus. Je fais un assaut. Ouais. Après, est-ce que si on attaque avec tout, on n'a pas gagné là oh. On s'emmerde, non Non, non, on a pas gagné, il est en bloc 2. Euh... Ah, si, il est mort, ah, si, merde, il est mort. Bon, c'est pas grave. <laughs> j'avais pas vu. Désolé. Ouais, le but de ça. Excusez-nous! Allez, ah, plus là! Ah non, mais on est mort, mais tu vas voir qu'il a un troisième binding, on va l'avoir dans le fion. Donc. Euh... Eh, Détape dé ce. Ce ouais, truc, fais un coup ça. de lisseur, et comme ça, au moins, on est sûr d'avoir l'étale ici. Comment un coup de lisseur? Bah, tu refais un carne euh, qui va chercher moins deux notre lisseur qui est en exil. Ah, viens, viens je fais ça, c'est plus simple. Ah ouais? Ah, pas... ah, merde. On va s'y encore. Ok. Ah, c'est vrai qu'il y a ça dans le deck. Ah Ouais, il s'est bien caché. Oublié, tiens. on au du temps, c'est vraiment inutile ce que je fais. Bref, ouais, c'est vrai que c'était pas si mal l'histoire du lisseur quelque part. Mais je pouvais pas attaquer avec, hein, en tous les cas. Non, mais tu pouvais enlever son dernier bloquant et t'étais sûr de. Non, c'est Winocast. Lover Power. Et alors, tu le récupères dans ta main pour le caster. Avec euh... En fait, je voulais faire Karn et le reprendre de l'exil. Ah, je crois qu'il faut que je pète ça en reprenant puce et tout là. Ah non, non, je voulais juste que tu oui. fasses garde. Je reprends lisseur, je pète son bloquant et je bourre. Ouais, j'attaque avec tout. Mais c'est bon, tout va bien, pas de panique. Je pense que le type est mort. Oh, il nous grigne du euh, temps. Il nous gagne grigne, grigne, On est à combien de temps oh, à 13 minutes 35, c'est largement assez pour faire une game 3. Et lui, il a combien Et il a bien assez pour faire une game 3. Il y a 19 minutes. Ah ouais. Et nous, on joue un deck compliqué à deux. Ah oui. Et c'est encore plus dur pour ceux qui se demandent de jouer à deux que de jouer tout seul. Alors je veux bien enlever un Sky Sovereign. Merde, j'en ai enlevé deux. Je pense que tu veux bien enlever. Ouais. Je veux bien une petite puce. Et qui commence Oh puce, on est content d'aller la chercher vu que son deck n'est pas, il y a pas trop de dynamique de tempo contre lui non. C'est vrai. Non, Quel bah, est sinon un truc rien, hein dont on a genre cœur de Kiran, c'est peut-être. Ouais, je sais pas. Oh, le truc pas dont fou. on a le moins besoin dans le side et qui sera quand même mieux qu'un Sky Sovereign, c'est genre un chariot Dezika quoi. Ouais. Moi j'y. Ouais, encore. Bon. Pourquoi bon, pas. C'est un peu mieux qu'un histoire de. 2. En fait, ça fait de la dev. Voilà, c'est le. Eh, c'est déjà ça de le guerre. prix. C'est déjà ça le prix. Allez, Tanti. Tu nous laisses commencer. Mec, ça fonctionne, ça. Non. Tu veux que je gère ça ah, Bah, tu fais tu fais troll ou pas Non, tu fais non. pas troll, là. Je fais pas troll, j'ai trois à l'assaut et j'ai pioché le quatrième. Moi je suis con, je la garderai, mais je suis con. Non, attends, on peut gagner une game dans cette vidéo. Est-ce qu'est-ce qu qu'on fait Si tu pioches n'importe quel mana vert, tu, 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 tu fais des chocs à pic quoi. Mais si mais tu pioches Nictos, c'est euh, perdu la game. Ouais. Je sais pas, c'est toi le, le joueur de table un. filmé. Hein. Mec c'est Mulligan là. Un ah, fais-moi conf. Ah, oh, on va piocher une main de merde après, je le sais. Non, t'inquiète. Bingo. Euh, mieux. Ouais, ouais, ouais. Ah, si, mieux. C est, c est... Oui, mais c'est pas non plus à se taper le cul par terre, quoi. Ah non, mais c'est mieux. Là, on perd pas sur un Nyctos, au contraire. Ouais, mais notre main, elle est moins explosive. Ah, elle explosait pas grand chose, hein. okay, En okay. vrai. Oui. Et on fait qu'un tour 3, ce qui nous permet de potentiellement arrayer son truc. Quoi. Ok. Oyez-moi. J'entends ces mots. Qu'est-ce qui est mou Passe-moi Boudonni. Je sais que tu as cette rêve-là. Oh, tu l'as pas Non, je l'ai pas là. Oh, mais tu vas me dire c'est oh, dans ça et je vais dire putain, je sais quoi. C'est un vieux sketch de je sais plus qui. Ah, euh, okay, si voilà. tu as écouté rire et chanson dans ta vie, tu l'as entendu. Mais... Ah, J'ai beaucoup écouté rire et chanson. Ouais. Bon, mon père mettait que cette radio tout le temps. Et il aimait le rire et le rock et Du rire et du et rock, rock. Ouais, ah, Allez, spell hein, visiblement. Je crois que c'est. À mon avis, c'est plus parce qu'il aimait pas les autres radios. Je sais pas s'il y avait une vraie. Euh... C'est plus de la haine euh, des de, <laughs> autres. <laughs> non, mais je veux dire, je sais pas s'il y avait un réel affect pour Iré Chanson je... ou juste oh, aucun intérêt puces. pour les autres, tu vois. Euh, ouais, bah vas-y, la petite puce, ouais. Puce tranquillou. On lui dit, vas-y, fais tes que trucs là, on, on a. On a bien. Fais tes que trucs, on en a rien à carrer. C'est ça que tu veux dire. Lord de Fire et je joue euh, Enigmatique Incarnation et je sacrifie. Ah! Moi nice. oh, je m'en fous. Ah, vraiment je oh, m'en fous. Putain on a toujours pas l'assaut du festival, c'est Je vais, rigoler, chiant, hein. euh... je vais bah y ouais, faire veux... ça, je vais pète ça, euh, je te mets un bloc en euh, 5-5, go. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et le tour d'après tu pourras aller chercher une citadelle de sombracier si s'il te manque le 5ème mana dans le pire des cas. Ouais. Euh, et là je vais optique je crois. Non Ou tu euh... veux que j'aille chercher maintenant euh, au cas où est-ce que ça mange pas de pain de prendre quand même ton sixième land histoire d'être sûr de faire des chocs ouais, y Moi j'aime bien. Je trouve que c'est sécur. Bah, du coup, j'aurais dû faire avant de lander, mais bon. Pas très grave. Ah, tu pouvais jouer un elf Ah, mais non, 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 t'as déjà landé. Non, non. c'est juste pour pas qu'il ait l'info. Bon, c'est pas grave. <laughs> Bending, et il va tuer Karn, mais nous on va et quand même vois, à la sauter. On... Tu vois, on a plutôt bien fait. Du coup. Ah, j'aurais pu bloquer. Je... Pour rien. Je pense. Si on pioche pas l'onde, on a bien fait. Oh, land. Ah, bah là, c'est le land. Hein. Le loup. Ouais, pose ton Nyctos, ça mange pas de pain. Tu hein. peux lui, lui cacher Ouais, je peux lui cacher comme ça, il se dit, ah, il a pas encore Nyctos. Surtout en fait, si on trouve Nictos, si je fais Nictos et qu'on le trouve, on les dégue Ok. Ah Troll et écarnes ou Chariot. Troll et Carn, je pense. Non, j'aime bien Carn. Carn, c'est au-dessus de tout, quand même. Carn, ça te permet de faire ce que tu veux, quoi. Troll et Carn, donc. Ouais. Et vu que t'as Nictos, Troll, c'est mieux que Chariot. Si on n'avait pas Nictos, j'aurais pris Chariot, je pense. Et là, maintenant, est-ce qu'il faut tenter le plan gros cerveau ou Balek, juste gérer tout ce qui fait one-to-one euh, -one On peut prendre un lisseur dans ce cas-là. Est-ce ouais. qu'on voit Nyctos sur d'après Donc, si on a euh, toujours ça en vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, moins 2, 8 mana. 8. Le ouais, lisseur, c'est irréaliste. Bon. Pour portail, c'est pas bon. Moi, je prends lisseur. On prend un gros lisseur là tenez. Ouais. Je peux mettre un petit point, je crois, non Oui, tu vas pas bloquer avec ton 1, je pense, vu que ça a le piétinement. C'est un chouïa chiant ce Rhino de siège, pas de mentir. Un petit peu, pas de mentir. Oh, j'en ai ouvert un beau foil dans mon Secret Layer Countdown. Oh, joli Oh, est-ce que tu as ouvert ton. J'ai pas pu suivre ouais. euh, jusqu'à la fin. Est-ce que tu as ouvert le Chrome Mox en foil Eh bien non, j'ai ouvert euh, très peu de foil et euh, pas dans les bons slots. Combien de foil en tout 9, c'est la moyenne. J'en ai eu 6 ou 7, je crois. Ah, sept... donc euh, Non, j'en ai eu 7 plus euh, celui qui est forcément foil. Donc, 8. T'es un en dessous du ratio. Non, non tu bloques euh... pas. Si je bloque, on a toujours la dev. Hein. Ah, si tu bloques, on a toujours la dev. Alors, ouais. vas-y, bloque, bien sûr. Pardon, je croyais que tu perdais la dev. Tu fais même plus de mana en fait, au global. Ah, c'est intéressant, intéressant que, du de coup production. de pas attaquer avec ça parce qu'on aurait pu trade son Ouais, bloquant. mais dans ma tête, t'allais pas bloquer. Suis... C'est moi qui me suis trompé. Je pensais que tu perdais la dev. Alors que c'est pas le cas. Ouais. Je, me suis... je me suis fourvoyé. Non, mais je m'étais dit garder une bête. Euh... Même si on conserve le dev, garder une bête c'était intéressant. Mais en fait, euh... pas tant que ça. car est mieux. Pour... Pour moi, il doit aller te piquer ton card maintenant ici. Mais dans tous les cas, il sera chocolat. Mais je pense qu'il doit Après non, il sait que si jamais il te pique le carne, tu fais le l'isseur pour récupérer ton carne. Oh, il est échec et mat là. Et là en fait même si je panique toi, je peux faire l'isseur. Il, ouais. faut, il me faut juste un land. Oh, OK. Il, il va aller nous chercher, matinique. il va nous piquer notre truc par contre, il va aller nous faire un agent pour piquer notre carne, on s'en fout ouais. un peu je crois. Ouais, bah lui il ira pas chercher grand-chose. Ça. Ah, il va chercher le land de euh... ça. OK, bien vu. 1 2 3 4 5 Je peux quand même l'isseur ou pas Non. Je peux à la soit par contre je peux à l'assaut du je festival peux... ou je peux moins de carnes Qu'est-ce qu'on a Faut trouver un truc qui pète son. Qui pète son énigmatique là, maintenant. Mais Simana... Je crois qu'on a rien. On a plus la puce. Non, mais faut que tu fasses à l'assaut et espérer qu'il fasse moins de dingueries que toi. Euh... Ouais. T'as une hein. Ouais, fais gaffe parce qu'en plus on est contraint par le temps. Ouais, vas-y, vas-y. Et on va le minus quand même dans le doute. Ouais. Pour aller chercher genre... Euh, Pour taille ou statue, un truc. Après, il pêché. peut blinker son agent là, donc il faut y penser. Mm. Ouais, ouais. Bah sinon, tu reprends le truc qui reprend les cartes, hein, vu que c'est ton dernier carte. Tu ouais. pré shot et tu prends un chaudron. Et on bourre Ah, tu voulais attaquer Bah avec le 5-5, ouais. Il me dit s'il si enlève un bloqueur, on gardait un, un des 2 5-5 au moins. Ok. Oh, normalement, là, il n'y a plus beaucoup de moyens. Enfin, faut il faut qu'il soit de très bonnes cartes pour enlever un bloqueur. Mais Mais vu qu'il est très bon jusque-là. Putain, je vais chier, quoi. Il est en train de la prendre. Hein. Il peut aller chercher un truc avec son rhino de siège. Il peut aller chercher. Non, pas Coma. Coma, ça coûte 7. Ouais. Pas aller chercher. Un de siège, tu peux pas le sacrifier. Il faut qu'il sacrifie ses enchantements maintenant. Il peut aller chercher, ouais, peut quand chercher un drop à la... 3. 3 ouais. Et le drop 3, du coup, j'imagine que ça sera euh, peut-être une adjointe pour piquer tes deux bêtes frappées. Il va drop 2, piquer quoi, carne Piquer nictos Putain. Supportable. Okay. Après, c'est fini. Maintenant, il fait 6, plus. 6. Ouais. <laughs> Normalement, il a qu'un agent. Oh, oui, il a qu'un agent, je confirme. On l'a oh vu oh en son en plus. Des cimetières, on perd deux assauts. Ok, c'est pas grave. Land. Land, Havre. Quoi Et après, tu, îles, partiras sur... mais... tu partiras sur un coup de métropole, je crois. Euh, Land, Havre. Ouais, tu mets tout en fait. Un coup de quoi Tu mets tout tu mets tout, juste ton 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 elfe de la noire, quoi. Ah ok. Et plus un de carne et passe, je pense qu'on peut pas faire mieux. Et là, le tour d'après, normalement, tu es capable de t'offrir un, un coup de carne pour aller chercher un truc en exil. Mm. Pas d'attaque. Non, je crois pas. Fais gaffe, on est qu'à 7 minutes. Ah, ouais. Mais. Ah ouais, du coup là je vais faire Chaudron qui reprend Karn. Ouais, tu vas, tu vas minus ton propre Karn, sauf s'il le tue. il, ah il mais le tue, tue effectivement. Ouais. Après toi, t'as ton lisseur là que tu peux jouer le tour d'après. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui. Donc je vais pouvoir péter ça ou ça ou ça. S'il te prend adjointe aux détentions et qu'il te prend les deux bêtes frappées d'amour, t'as quand même le mana. Hein. Ouais. Ouais, ah oui, de toute façon t'as plus Nictos, ouais. Ok. Il a un Nictos qui fonctionne en plus lui, il peut faire du mana, c'est marrant. Ouais. Une... Il a 5 de dev ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, il a 5 de dev bleu, ouais. Non il a dev vert avec notre propre enchantement, notre propre troll. Ah aussi ouais. 5 de dev bleu, 5 de dev vert. Okay. Oh, il les a pioché à la main, c'est vraiment le pire quoi. Ouais, quand tu as 60 cartes, il y a peu de chances que ça arrive quoi même. 80-80. En vrai, là, est-ce qu'il y a un truc chiant En vrai, s'il peut, pas... peut casser un enchant. Euh... Un marker shield. Ouais. Okay. Dans tous les cas, tu peux quand même jouer ton lisseur. Ouais. Bah écoute, ça va être notre plan, <laughs> notre plan préférentiel, je crois. Ouais, je vais casser son titan. Ah Il y en a dans le deck aussi. Ah bah là, t'as perdu. Il va draw 3 avec son agent en plus. Ouais. Hein. Putain. Bien joué. Ah, tout à la main, hein. franchement, euh, costaud. Ouah, le boss, quoi, j'en reviens pas. Non. Mec, c'est ouf d'avoir perdu contre ce deck-là. Hein. C'est genre vraiment, genre, euh, imperdable, normalement. C'est la vie, après, on pilote pas très bien hein, le, le monocrine aussi. Hein. Probablement qu'on a plein de lignes de play qu'on a loupées. Dites-nous si dans les commentaires les lignes de play qu'on a loupées qui pouvaient nous donner un avantage certain. -nous Je sais nous sais si on, si été, on pouvait ne euh... pas mulligan euh, à toutes les games, ça aurait été super cool. Ouais. Mais ah ben ça, après ça, on n'y peut rien, mais genre, est-ce qu'on a vraiment loupé des lignes de play ou juste assez mal goupillé Je sais pas. Mmh, ouais, je pense que le deck est nul, ça aide pas, et voilà. Ouais. Enfin, non, ouais, il euh, y a des lignes de play. C'est ouais. pas mal fort, je pense qu'on a eu à la fois un mix de euh, variance, et à la fois un mix de euh, pas forcément optimisation de pilotage, mais du coup, c'est intéressant de voir quels sont les moments clés où on a ouais. loupé. Je pense que c'est sur ce que tu wish euh, on, on a balbutié un peu. Euh, ouais. euh, et puis, bon, après, il trouve quand même à la main euh, des trucs costauds, hein, l'adversaire. mais Ouais, je pense qu'il y a un mix des deux. Mais ouais, c'était intéressant. ok Mais ouais, en tout cas, très cool euh, quand même ce, ce petit deck euh, bien pourri. Euh, il est sympa <laughs> à jouer. <quoi. rire> fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux <laughs> sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpell, Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de, de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.